minutes à perdre, c'est mieux qu'un quart d'heure de gloire. Des rires jusqu'à se rouler par terre, mais ce n'est qu'un au revoir. Drôle d'artiste, Spoop Gaël Baptiste. Big up à cette belle bande de ouf, ouais la fin m'a triste. On se matait ça en riant toutes les après-midi. James Dale, Hugo tout seul, grand pas mini. J'ai appris que c'était fini, ça m'a laissé un goût amer. Maintenant qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 10 minutes à perdre. Big up les gars, le Spoop vaincra. Mes sincères condoléances à mes voisins. C'est vraiment dommage, je vous aimais bien. Alors je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. This is 50 Cent and I like 10 minutes à perdre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça s'arrête, MySpace? Un immense merci à tous les zboobs de nous avoir fait rire pendant 3 ans. Je suis un petit peu ému et un petit peu triste parce que 10 minutes à perdre, ça faisait partie du quotidien de tous les internautes. Moi, dès que je marchais dans la rue, j'entendais des « Hey, pourquoi tu parles comme ça ?» Et puis, dès que je voyais un escargot, je l'appelais Jean-Jacques et tout le monde me demandait pourquoi. Et je veux souhaiter à toute l'équipe une bonne continuation et d'avoir autant de réussite dans leur parcours qu'ils en ont eu pendant 10 minutes à perdre. Pour vous consoler de la fin de 10 minutes à perdre, faites comme moi. Sucez les bites. Merci pour tout, les gars. Et Mathieu? Quoi? Tu savais que 10 minutes à perdre, c'était terminé? C'est impossible, il faut leur rendre hommage, mais tu sais que j'ai toujours des bonnes idées. Goodbye, 10 minutes à perdre. Goodbye, 10 minutes à perdre. Goodbye, 10 minutes à perdre. T'en fais pas un peu trop? C'est la bière. Merci de nous avoir fait marrer. Ciao. Putain, c'est la fin de 10 minutes à perdre. Heureusement qu'il reste Youporn. 10 minutes à perdre, c'est clairement le groupe humoristique internet le plus culte que le web ait connu, quoi, c'est clair. Sperme. Désolé, c'est la bière. Eh oui, monsieur, on se fait pas la gueule. Y a pas de concurrence, y a pas d'adversaire sur le web. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Donc si 10 minutes à perdre c'est terminé, c'est pas positif pour nous. Moi ça me fait chier perso. En tout cas merci à vous les gars, merci à vous pour ces 3 années. Merci Baptiste, merci Gaël, merci James Darle, Grandpa Mini, Hugo, mais aussi toute l'équipe de rédaction sur le site qui bosse comme des ouf tous les jours. Et donc voilà, merci à vous pour toutes ces barres de rire offertes gracieusement. Et j'espère vous voir très vite sur le web. Hein, ça, y a pas de raison que vous n'y soyez plus. Et n'oubliez pas qu'on veut toucher des culs. Voilà, je crois que ça marche là. C'est bon. Top. Podcast du Palma Show pour les 10 minutes à perdre. Eh ben gros bisous les mecs, on a appris la fermeture du site, donc on voulait vous faire un gros big up, comme et puis on dit. Un bel hommage quand même, vous êtes les pionniers de l'humour du web aussi. C'est vrai. Et merci de nous avoir fait participer à tout ça d'ailleurs. Bah oui, merci de nous avoir invités à vos sketchs, la casserole dans le cul, merci d'être venu faire des sketchs avec nous, le Power Ranger. On est quasi sûr qu'on vous reverra sur l'autoroute du rire. L'autoroute du rire n'a pas de frontières, n'a pas de douane. Exactement. N'a pas de péage. Et on a hâte de vous revoir sur d'autres projets. À très vite les gars, allons boire des coups. Exactement, dès que mon œil sera revenu. C'est vrai, il n'est pas parti bien loin. Bisous les mecs et salut, les gars. Le Zboob vaincra. Bisous. Bisous. Parce que en fait c'est en décalé donc là, c'est là. Quand ton truc c'est toucher des culs, quand tu te fous une casserole dans le cul, quand tu sors des éclairs de ton cul, quand tu lui souhaites la Saint-Valentin, quand tu te caresses sur Christine Boutin, quand t'aimes sucer la bite d'un copain, le Zboob vaincra. Avec la disparition de 10 minutes à perdre, c'est un bout d'internet qui s'en va. Et ça me rend triste. Alors merci à vous les mecs, merci. Voilà.
Cyprien, ventriloque. Le talent. Caché. Salut 10 minutes à perdre, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça va, tranquille. Non, bah, c'était pour vous faire des gros bisous. J'ai été super triste d'apprendre que 10 minutes à perdre s'arrêtait. Et bah, je voulais vous remercier pour ces 3 ou 4 années, je ne sais plus. Il y a de l'eau à couler sous les ponts, 3, 4. Nous, on s'est rencontrés en 2010. C'est grâce à vous que j'ai pu lancer mon premier gros buzz avec Section Domo. Vous avez été les premiers à relayer la vidéo. Et donc, c'était cool. D'ailleurs, pas que cette vidéo, plein d'autres vidéos. Et donc, vous avez été un putain de coup de boost pour beaucoup de YouTubers, hein, dont moi. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et puis, on s'est super bien marré durant toutes ces années à faire tout un tas de projets ensemble. Je m'en fais pas pour vous pour la suite, hein. Je pense que de toute façon, il y a de la place à la NPE, enfin au Pôle emploi, comme on dit maintenant. Il y a du taf, community management, chez Starbucks, là, le barista du Starbucks de Strasbourg-Saint-Denis, il s'est barré, donc il y a clairement un truc à faire. Donc voilà, je m'en fais pas, et puis voilà. Donc il n'y a pas de souci pour vous, je vous laisse les coordonnées du Pôle emploi et je vous laisse les coordonnées de Manpower, c'est une putain d'agence d'intérim. Non mais ça paye bien les gars, faut pas me regarder comme ça. Et puis ben, je vous dis à très bientôt, gros bisous. Voilà, je viens d'apprendre la fin de 10 minutes à perdre, je suis dégoûté, je suis trop vénère, voilà. Maintenant je mange que des trucs comme ça. Voilà, truc de vieux, à cause de vos conneries. Rendez-nous 10 minutes à perdre. Bonjour. Bonjour, pour fêter le départ à la retraite de 10 minutes à perdre, nous allons chanter la chanson Pretty Woman, remixée à la sauce 10 minutes à perdre. C'est pas 10 minutes, 10 minutes à perdre, 10 minutes, 10 minutes à perdre, 10 minutes. Oh, oh. Et voilà, et voilà. C'est là, mais voilà. Espèce de conne, là, casse-toi. Et voilà, c'est terminé. 10 minutes à perdre. On vous aime. 10 minutes à perdre. L'on vous kiffe, l'on vous aime. À bientôt sur notre route, sur notre chemin. C'était Frère de Sang. C'était 10 minutes à perdre. L'on vous kiffe à la race. Ouais. Yeah. Là, je suis plutôt quelqu'un de franc du collier, donc je vais vous dire les choses. La première fois que j'ai vu 10 minutes à perdre, je me suis dit ça. Les vidéos, il y a les sites, et bon. Après, j'ai regardé les vidéos, j'ai trouvé ça, mes 2 ans. Merci 10 minutes à perdre, pour ce côté, mes 2 ans. 10 minutes à perdre, c'était vraiment le meilleur site du monde. 10 minutes à perdre, c'était vraiment le meilleur site du monde, c'était incroyable. C'était... Dis que sans 10 minutes à perdre, t'aurais jamais fait de l'humour. Sans 10 minutes à perdre, j'aurais jamais fait de l'humour, j'aurais jamais eu cette idée-là. Dis que 10 minutes à perdre et surtout Baptiste, c'était vraiment, vraiment trop bien, quoi. 10 minutes à perdre et surtout Baptiste, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Dis-le que tu jures sur la tête de ta mère, tout ce que t'as dit, tu le penses. Je jure sur la tête de ma mère que tout ce que j'ai dit, je pense. Parce que après, moi, je vais faire un montage et je vais enlever ma voix. Comme ça, je pourrais, ça sera plus simple. Parce que après, je vais faire un montage, je vais enlever ma voix. Non mais non, dis pas ça, t'es quoi. Salut 10 minutes à perdre. Donc c'est Norman, je vais juste dire que ce que vous avez fait, c'était vraiment super cool. Et que c'est vraiment triste que vous arrêtiez cette belle aventure. En tout cas, merci pour tout. Et comme on dit au pays du Bengale, Kenavo. Voilà, on nous a demandé un petit mot pour 10 minutes à perdre. Alors, on a une très grosse vanne, ouais. Je t'en prie. Alors, le petit mot, le voici. C'est un petit mot. Ouais, très grosse vanne. C'est bon quand même. Bah, c'est... Ça envoie. Ouais. Je souhaite adresser mes plus sincères condoléances au site 10 minutes à perdre ainsi qu'à ses artistes. Plus de slip, plus de blagues, pipi caca, plus de prout, plus rien. Adieu les artistes, on vous oubliera jamais. Ouais, que je
appris que 10 minutes à perdre s'arrêtait, c'est sûr que ça m'a foutu un coup. En plus, je venais juste de rejoindre l'équipe. On avait fait des trucs super, comme le donjon qui sent bon, No Limit, ou encore un soutien à Christine Boutin. En tout cas, je souhaite une longue route et beaucoup de courage à toute l'équipe. Et pour ma part, je sais pas, peut-être que je finirai, on sait jamais, on peut toujours rêver, mais en robe. C'est pas moi, c'est la bière, 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 c'est pas moi, toucher du sperme, 10 minutes à perdre et mort. 3, 4, 10 minutes à perdre, c'était bien. Ça fonctionne, pas mal, je trouve. Hey, comment? C'est le Greg Frit. Bon, 10 minutes à perdre s'arrête. Mais en tout cas, merci les mecs pour les grandes barres de rire. Merci aussi à toute l'équipe pour le soutien. Et quoi qu'il en soit, je suis persuadé que le Zboub vaincra. Ok, ça y est, internet terminé. Ça va fermer. J'ai lu ça dans le... 10 minutes à perdre, ça va... C'est terminé. Je crois que c'est... Ouh, tout va bien. Calmez-vous. Et waouh, vous allez nous manquer, les gars. Ouais. Et je dis ça sans aucune attirance sexuelle, quoi. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Enfin, pour les deux. Enfin, je sais jamais combien, on sait jamais combien vous êtes, c'est vrai. On sait pas combien vous êtes vraiment. En tout cas, voilà. Pour moi, vous avez fait beaucoup. Je suis éjaculateur précoce. Et du coup, ben, après l'acte, je sais pas ce qu'on va faire. On va s'ennuyer maintenant. Bon. Au revoir, les gars. Cliquez, bande de salopes. C'est Cortex et Morsaï, mon pote. 10 minutes à perdre, c'est fini. On est content. Ta-da. Ces enculés, ce gros porc de grand panini, cette grande girafe de Baptiste. Je vous appelle, allô, je vais venir à votre émission, vous m'avez toujours accroché au nez, hein. Morsaï, non, on veut pas de ta gueule, et bah allez. Eh, 10 minutes à perdre, c'est terminé, tu sais ce qu'on va faire, on va mettre de l'argent. Plus, on va faire 5 minutes à perdre, on va faire un site, ça fait 5 minutes à perdre. En plus, il paraît qu'ils sont vers les Champs-Elysées, bah, tiens, la Tour Eiffel. On la met profond vers là, dans votre fion, bande d'enfoirés. Cliquez, 10 minutes à perdre. Cliquez, bande de salopes. Vous êtes terminé, nous, c'est 5 minutes à perdre, et ça, on va le sortir. J'ai rien à perdre. On a rien à perdre, on se fout un poil aux Champs-Elysées. Bande de salopes. Laissez-moi les messages. Ouais, laissez les messages. Vous n'avez pas besoin. En plus, j'espère qu'ils vont voir cette vidéo, hein. Bah, j'espère. Alors, pas l'heure, vous jouez. Alors, voilà. Eh, vos abonnés aussi, on les baise, on les fuck. Bon, les abonnés, je vais pas les insulter parce que j'ai tartiné beaucoup de meufs. Ah ouais, bah, moi aussi, hein. La moitié, t'en avais tartiné la moitié. Hein. Maintenant, c'est plus 40 meufs qu'on a, c'est 3000 meufs. C'est de ma Et faute. On a toujours la dalle, bande d'enfants, 10 minutes à perdre. 10 minutes à perdre, tu m'excuses, c'est de ma faute, j'ai tartiné la meuf de YouTube. Cliquez, verrez-moi ceci. Cliquez, bande de salopes. Oh, bah, merci les gars, cool. Ouais, les gars, jamais. Ça fait trop plaisir. Je suis désolé. Dis-moi t'as perdu, on les adore, on m'entend là-bas. Alors voilà, 10 minutes à perdre, c'est fini le 30 juin. Pas facile de dire au revoir. 10 minutes à perdre, pour moi, en un mot, c'était... Enfin, en un son. En un son, c'était ça. Ouais. Donc, les mecs, si je puis dire, bon vent. Demain matin, sur tout l'ouest de la France, et des températures anormalement fraîches pour la saison. 13 à Quimper, 14 à Limoges et 18 à Paris. Attendez, après ça vous. J'ai fait une spéciale dédicace à Baptiste Hugo, 10 minutes à perdre. Et Montpellier vont vous montrer comment on fait un maximum de porteurs. Bonjour, je suis Boabot, le seul et l'unique Boabot. Je fais une dédicace aujourd'hui à une page ou un site qui s'appelle 10 minutes à perdre. Et comme moi j'avais une minute à perdre, je fais cette dédicace pour cette page. Voilà, donc ça c'est de la part de Boabot, bien sûr. Voilà. Une minute à perdre. Bien sûr, et cette vidéo ne serait pas sans mon lâcher de bottes.
Attention, c'est parti. Hop. Voilà. La botte tient toute seule. Il n'y a pas de truc caché, rien qui tient. Bisous à tous les fans de 10 minutes à perdre. C'est moi, Bon Pote, bien sûr.